Salut à tous et bienvenue à cette autre vidéo. Qu'est-ce qui se passe réellement entre Tech et Fovoto? Serait-ce le début d'une histoire d'amour entre les deux? Dans Danse avec les stars, les internautes persuadés qu'il se passe quelque chose entre les deux lâchent des phrases du genre « Il y a Anguille sur Roche ». Les deux, ils veulent bien se bouffer. Ils nous cachent des trucs. Restez scotchés, la suite juste après le générique. Le vendredi octobre dernier, Danse avec les stars était de retour pour un sixième prime et des règles qui se durcissent encore un peu. Tous les candidats entament la soirée en haute site. Seule condition pour éviter un face-à-face ce soir, obtenir une note d'au moins 30 points au classement des juges. De quoi réchauffer l'ambiance du côté des couples et notamment du côté de Fovoto et de Taïk. Le chanteur et la danseuse mythique de l'émission ont en effet montré quelques signes de rapprochement qui n'ont pas échappé aux internautes. Un nouveau couple dans Danse avec les stars? C'est la question qui a agité Twitter ces derniers jours. Alors que les candidats de Danse avec les stars foulent le parquet une nouvelle fois ce vendredi, les 8 couples encore en liste doivent affronter une nouvelle règle. Après le Golden Buzz, le Buzz Rouge et les duels, l'ambiance tend à nouveau ce soir avec la Hot Seat. Attribués d'office à tous les candidats, pour se démarquer, les couples vont devoir livrer une prestation hors norme afin de séduire le public, mais aussi, et peut-être surtout, Chris Marquez, Denitsa Ikonova, François Alu et Jean-Paul Gaultier. Pour sortir de Hot Seat, chaque couple devra en effet obtenir une note minimale de 30 points. Et pour atteindre ce score, Fovoto et Taïk, très complices depuis le début de cette nouvelle saison, ont offert un passo double très chaud sur une reprise de Gunstyle Paradise. Dans le magnéto diffusé juste avant leur prestation, Fovoto et Taïk se sont confessés entre deux répétitions. Fov et moi, c'est la rencontre totale entre deux volcans. Et quand les deux explosent, c'est juste trop fort. Allons, c'est Taïk. Fov, elle, s'est montrée particulièrement proche du jeune artiste. Il me fait beaucoup de bien. J'arrive en training et je rigole, a-t-elle expliqué en interview. Une complicité que les téléspectateurs ont pu constater une nouvelle fois lors du passe au double de vendredi dernier. Résultat, 32 points pour le couple qui se retrouve qualifié pour la semaine prochaine. Alors, après Alizé et Grégoire Lionette, Denitsa Ikonova et Ryan Bentiki, une nouvelle idylle serait-elle en train de naître entre Fovoto et Taïk? Décidément, Danse avec les stars se joue le Cupidon. Toutefois, si Alchimie il y a, elle n'est que platonique entre Taïk et celle qui est en couple avec Julien Renaud depuis de nombreuses années. La chorégraphe de 35 ans est devenue une sorte d'exemple pour le jeune homme. Elle me ressemble énormément. Elle a une grosse dureté dans sa manière d'être et s'impose une grosse rigueur. Elle est comme un prof qui attend beaucoup de toi. Elle n'a même pas besoin de s'énerver, tu sens l'énergie. Ce qu'elle dégage, elle a une grosse envie de tout exploser et me le fait sentir. Mais elle est très pédagogue et dans un bon mood, continue-t-il. Ce n'est pas le seul entretien dans lequel Taïk loue les qualités de Fov. Auprès de TV Mark, il reconnaît volontiers que la belle rose sort du lot de par son énergie. La danseuse se mue en une partenaire incroyable, notamment grâce à son élégance de guépard. D'ailleurs, le duo se voit en dehors des plateaux télévisés, chez la maman du candidat. Elle doit venir dimanche évidemment. Il n'y aura pas de pâte à la carbonara, mais un de lait sauce graines, taro sauce jaune, bitalif. Explique-t-il, quand l'appétit va, tout va. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Et si vous êtes nouveau, merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager.